En tant que compositrice, justement, comme on vient de sortir un album, on se rend bien compte que, voilà, qu'on n'a pas toujours la main mise sur ce qui se fait, sur la façon dont est traitée notre musique, dont elle est écoutée. Il est clair que c'est important qu'il y ait de multiples moyens pour qu'on puisse accéder à notre musique, mais il faut évidemment que pour qu'on puisse créer, qu'on puisse développer de nouvelles choses, faire de nouvelles créations, qu'on puisse aller de l'avant, qu'on puisse faire connaître notre musique, et il faut quand même un peu d'argent. Sans argent, on ne peut pas tellement avancer, enfin difficilement ou beaucoup plus lentement. Donc c'est un peu le nerf de la guerre. Et voilà, donc si on ne respecte pas la propriété de chaque artiste, il y a un moment donné, ça va s'arrêter. Et une vie sans musique, c'est bon pour personne, en fait. Ni pour les musiciens, ni pour les auditeurs. Je pense pas connaître quelqu'un qui ne vive pas de musique régulièrement, ne s'abreuve pas de musique. Donc c'est important qu'il y ait un respect de la création. Nous, on vient de sortir ce disque, on est inscrit chez plusieurs fournisseurs, genre iTunes et compagnie. C'est très très difficile, même là, en ayant des gens qui ont pignon sur rue, d'avoir un feedback de comment ça se passe, ce qu'on vend. Y a on parle beaucoup de Spotify ou de moyens comme ça. Même si on arrive à des très forts passages, on a des droits qui sont ridicules. Alors ce qui est paradoxal, c'est qu'on touche beaucoup, beaucoup plus de personnes que dans les années 80, mais on touche beaucoup moins. Alors ça, c'est une équation que j'arrive pas à vraiment comprendre comment ça se passe, parce que déjà, à cette époque-là, il y avait énormément d'artistes, c'est les années d'or de la création musicale. Et on se retrouve aujourd'hui avec des difficultés qu'on n'avait pas avant. Mais de vivre pleinement de sa création, que sa création soit protégée, qu'on arrive à vivre avec, à nourrir une famille et autres comme j'ai pu le faire à une époque, ça serait quand même bien qu'on revienne à une situation à peu près équilibrée.